contre ceux qui ont le goût difficile, de Jean de La Fontaine. Quand j'aurais en naissant reçu de Calliope les dons qu'incessamment cette muse a promis, je les consacrerais au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je les sais. Un plus avant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement? Vraiment, me diront nos critiques? Vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeur, en voulez-vous qu'ils soient plus authentiques et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs qui, par 1000 moyens, par 1000 assauts, par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois, par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux avec leurs escadrons devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie. Stratagème inouï qui des fabricateurs paya la constance et la peine. « C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis, votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vous sied mal, des créanciers hostiles. Eh bien, baissons d'un ton. » La jalouse Amarille songeait à son Alcippe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre les saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux Zéphyr et le priant de les porter à son amant. « Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu? Ne saurais-je achever mon conte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait les satisfaire. »